Ouais. Seul à ses besoins.
Alors, pourquoi lui et pas moi? Je ne sais pas, moi, là là. Oui, mais... L'avez-vous déjà appelé mon roudoudou d'amour? Vous êtes plutôt du style Athéno Baratière, hein? C'est pas vrai?
adoré ça. Elle a toujours eu un petit fait pour les paratinaires. Tiens, sans plus. Tu crois qu'ils se sont entretués sur le palier? Ah, avec eux, tout est possible. Je vais quand même aller vérifier. Si
on décroche le contrat avec les Russes, vous mutez Chambier et vous me nommez directeur adjoint. Ne vous inquiétez pas, monsieur Duchamel. Mon rapport est fiable. Et avec la fille de Tatiana, comme on dit à Périgueux, le père Igor sera content. Oh, elle est bonne. Oui, oui. Au revoir, monsieur Duchamel. Et elle a dit, merci. Au revoir. Mais vous avez entendu, mais c'est génial ça. Allez, Tatiana, si on dansait un petit peu. Oh oui. Kali, 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 Kali. Ben Nicole, je vois que tu t'associes à mon plaisir, c'est gentil. Ne va pas trop vite, Jean-Michel, parce que déjà tu n'es pas encore directeur adjoint. Et puis, nos ennuis sont loin d'être résolus. Ah, vous êtes une incorrigible optimiste, ça se voit tout de suite. Je ne dis pas que c'est dans la poche. Mais avoue tout de même que la situation est moins critique qu'hier. C'est bien simple. Si je ne plante pas la vie, je peux passer du statut de futur chômeur à celui de directeur adjoint. N'est-ce pas fantastique? Non, pour moi, j'ai toutes les raisons de croire que cela va marcher. L'entreprise Duchamel est une entreprise compétitive et mon rapport tient la route pour le peu qu'on lui prête une oreille attentive. Ah, les amis, comment vous remercier? Votre présence est une bénédiction. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Alors, si vous voulez, vous pouvez faire les miennes, ça m'arrangerait. Oh, ça suffit, je ne vous ai rien demandé. Dans la série Les Petits Métiers, nous découvrons aujourd'hui un métier méconnu et presque oublié, la cireuse de chaussures. Vous pouvez admirer la souplesse du poignet et la vivacité du geste. Comme vous pouvez le constater, cet exercice requiert des qualités physiques indispensables. N'ostique pas qui veut. Dans ce métier royal, ne dit-on pas roi, cire. Oh. Rendre hommage à la reine de la Et puis j'aimerais la paix que je peux dire. Allons Gérard, laissez-la tranquille. Venez plutôt aller à préparer quelques toasts. Une nouvelle à Topsala, cela mérite bien l'apéro. Oh oui, nous revoir l'amitié franco-russe. Vous venir, Nicole? Certainement pas. Oh. Bon brossage, hein. Pendant ce temps, nous, on va s'occuper. Vous savez, Nicole, l'apéro, c'est comme la pêche à la ligne. Avant, il faut préparer les verres. C'est ça, allez vous êtes souillés, bande d'ivrogne. Voilà ton père couvert comme cochon à présent. Voilà tes pactes avec l'ennemi en laissant toute seule. Comme mentalité, c'est eux qui boivent et c'est moi qui trinque. J'en ai marre. Ah bah tu sais, moi je trouve qu'ils n'ont pas tort. Pourquoi s'obstiner à faire la tête, à être en colère? Qu'est-ce qu'on y gagne? La colère, de l'amertume, une sacrée cécité qui nous empêche de voir les qualités des autres. Qualité, mais quelle qualité, Marion? Ils viennent te faire une démonstration de leur jeu pervers en tyrannisant les noisettes paumées. Et tu voudrais que je passe l'éponge? Mais ne me demande pas en plus de cautionner la nymphomanie de ma mère. J'aurais tout entendu aujourd'hui. Oh là là, mais ne te fâche pas, maman. En disant ça, je parlais plus pour moi que pour toi. Ah, franchement. Quel gâchis quand j'y repense. Il m'a crié son amour et je n'ai rien attendu. Il m'a montré son désespoir et je n'ai rien vu. À cause d'un simple regard vers une autre, la colère et la rancœur se sont infiltrées dans mes coronaires. Bouteille. Ah non, c'est pas maintenant.
sérieux. T'es ton roman. Ah, mamie, le moindre de vos propos est un bon dans mon cœur. J'ai beau être un vieux crouton, j'adore l'appeler mamie. Voyez-vous, frère, même si vous l'aimez, je doute que vous sachiez l'aimer aussi bien que moi. Oh, mais attendez, c'est elle votre amoureuse? Et bien sûr, jeune homme, chaque jour que je vis, j'ose espérer qu'elle est, qu'elle restera mon amoureuse. Aujourd'hui, plus qu'hier, et bien moins que demain. Oh, mais c'est génial! C'est génial! Mais je ne vous le fais pas dire, c'est aussi ce que je pense. Mais on pourrait m'expliquer! Oh là là, mais Tarzan, mais si vous saviez comme je suis soulagée! Oh là là! Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Mais il est encore venu celui-là! Thank you.
Jamais je n'aurais pensé connaître cela à mon âge. Au bonheur et à l'amour. Vas-tu, Gaston? Mieux vaut tard que jamais. Elle a raison, vieux